Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ghost Recon. Accrochez-vous bien car ça va être explosif. Dans la première province productrice de coke en Bolivie. Où est-ce que je peux mettre le poids là ? Le réseau local, c'est El Yayo qui l'a monté. Bonne dizaine d'années avant la. Wow, j'ai mis le B. Quand El Yayo a rejoint le cartel pour non, devenir attends. Responsable de la production. Dans l'autre sens où tu vas. Attends, j'ai une conversation. Il se fait appeler El Emissario. L'émissaire. Il passe le plus clair de son temps en elle parle de la zone. T'as atterri ? Ouais. Pour le compte du cartel. Pas vraiment à lui de je le pense faire, que c'est la ville là qu'il faut aller. Dit que c'est le meilleur moyen de faire honneur à son grand-père. Sur la map, il marquait. Tant que la production reste stable, tu vas te chercher ou tu vas à pied Je vais d'abord regarder la jumelle. C'est loin. C'est l'assistant de l'émissario qui s'en occupe. Sur la map, il y a quoi d'exclamation et c'est un truc lieutenant. Ouais, mais attends, elle me parle, donc à mon avis, c'est elle va me dire. On va attendre ce qu'elle nous dise, parce que je sais pas, c'est bizarre comme truc, n'empêche. Je reçois une transmission de Bowman. Ah, une transmission. Infos sur l'émissario. Elle me reparle, d'accord. Vidéo. J'ai une vidéo sur les hall briefing des gens. C'est El Misterio, c'est un vieux. Le Bolivien le plus haut gradé de la Santa Blanca, et leur directeur de production. Mais est-ce que vous connaissez son petit-fils ? Gonzalo Yana, alias El Emissario, l'émissaire. Yayo lui a appris toutes les ficelles du métier. Comment produire la meilleure poudre de toute l'Amérique du Sud ? Ah là, on va s'attaquer à de la poudre. Avec les habitants du coin ? Et surtout, comment servir ses maîtres de la Santa Blanca ? Emissario, je dirais que c'est le gars que j'ai vu en fait dans la vidéo d'avant. Pour lui faire honneur, pour c'est possible. Et c'est précisément pour ça qu'El Emissario est la cible idéale. Il craint par-dessus tout de faire honte à son grand-père. Si on sabote ses activités à Okoro, il va rappliquer aussi sec. C'est là qu'on le chope. Avec un peu d'accord. De chance, tu l'as, toi, la vidéo ? Ce qu'on veut savoir, non, non, je te laisse regarder, je pas... Non, mais pas tu rates l'histoire, toi. Ah, mais c'est avec lui qu'on repartira, tu vois. On repartira quoi qu'il arrive en hélico. C'est notre moyen de transport le plus écologique. Là, c'est clair, parce qu'après, la voiture... Tu les situes où ? Près du point de contrôle. Donc d'après ma jumelle... J'aperçois je sais pas s'ils sont deux. Attends, mais il y a de la Gatling. C'est une station essence et tout, là, si on la fait péter, boum, badaboum. Voilà la troisième. Oh. Je repère un petit groupe d'ennemis. Oh purée. Je repère une batterie fixe. Cinquième cible. Ça rigole pas, hein. Ouais, j'attends de marquer tout avant de faire. Ouais, vas-y, ça rigole. Je suis à la jumelle, moi aussi, là. De toute façon, quoi qu'il arrive, faut que je passe dans un endroit où il n'y a pas les barbelés. Il y en a beaucoup. C'est pour ça, il y a le seul moyen d'entrer. Là, l'entrée voilà. Est là, ou ici. Ou là derrière. Ouais. Derrière le générateur, quoi. Ouais. Mais dans ce cas, je dirais le derrière le générateur. C'est ce qui me semble plus juste. C'est ce que je vais faire. Là, mais j'arrive pas à le... Par contre, faudra me le buter, lui. Lui et lui, c'est mes cibles prioritaires. Attends, parce qu'il a... lui, je peux pas l'avoir, mais lui, je peux l'avoir. 150 mètres. Au pire, t'essayes de bouger. Un connard de moi. Le deuxième, je peux pas l'avoir. Je descends. Loulou. Relancé. Attends, reste là. Voilà, ouais, nickel. Oh, un M4, un M40 à sac. Je suis en train de le chaudron là donc. Vas-y, t'inquiète pas. Sur la piste d'atterrissage là. Il y en a deux. Nickel. Ça fait trois gars. Moi, devant toi à gauche, je peux pas l'avoir. J'y vais. Et fais gaffe dans la maison où il y a les deux antennes, il y a des. Une guerre, je pense. J'étais repéré par je sais pas quoi. Celui-là, là, j'ai mis le E en face de la route. Ouais. Je vais le voir seulement maintenant à l'instant quand tu t'es fait repérer. Mais fais gaffe qu'il y a celui-là qui pourrait voir. Donc J'essaie de passer discretos. Là, station d'essence, si on a, mais je ne vois pas.
On peut passer... Ouais, on peut ramper sous la table. Je vais m'infiltrer dans la maison juste en face de moi. À quelle? Bah quand tu vas en visée. Ah, attends. Ah oui, c'est que en visée. Avec la pièce sortie. Ouf, je l'ai eu dans le bras. En bas, celui-là, je ne le vois pas. Je sais pas si toi tu peux l'avoir. Où? Là-bas en bas? Dans la maison. Ok, je vais essayer. Il monte. Il monte. Attends, s'il s'arrête, je peux l'avoir. Il est mort. Un connard de moi. Oh. Par une fenêtre, quoi. Je passe, je vais dans la maison où t'as tué le gars. Ouais, le A, je vais essayer de me le faire. Il est mort. Je suis rentré. Ouais, je pense qu'il y a personne d'autre dans la maison, je reprends l'eau. Un sicario avec un pistolet mitrailleur. Je les vois nulle part. À côté de la pile de... Dans la maison, il n'y a plus personne, c'est libre. Il y a un document. Le tel. Non, la radio qui s'active. J'ai l'impression de parler à une éponge. Bon, j'active la mission. Ennemi abattu. Attention, qui veut baiser le cartel en détournant un hélico de ravitaillement pour le... Ah ouais, c'est à l'étage le truc. C'est gagnant-gagnant. Il y a encore un étage. Il y a clairement qu'il faut arrêter, c'est ça? Non, ça c'est mission secondaire. Ok, on le laisse alors. Et en fait, je croyais que c'était l'ordinateur là, mais non, c'était un ordinateur de point de contrôle. Je peux pas venir te rejoindre. T'inquiète, j'active. Il y a une médaille, en tout cas, faudra que tu viennes la prendre. Mais il va falloir que je vienne chercher ressources. Ouais. Mais je reste ici, je ne bouge pas. Ok, je suis en train d'ouvrir la boîte. Prends des photos. Vas-y. J'ai trouvé l'emplacement d'un labo de cocaïne, un vieil abattoir d'Okoro que le cartel a reconverti. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour aller cramer tout ça? Pas si vite. Il faut un code d'accès pour entrer dans le labo. Et on trouve où ce code? D'après ce qui est marqué, l'assistant de l'émissario le connaît. Va falloir qu'on... D'accord. Wow, wow, wow. Tu veux que je fasse ça? Ok. Je stabilise. On le veut vivant. On veut vivant, qui dit. Le jaune, il faut vivant. Merde, je l'ai tué. Ah non, c'est bon. Non, il a arrêté. Par contre, il y a un véhicule devant. Devant, sur la route. Mets-toi plus à gauche, à gauche. Comme ça? Ouais. Voilà, c'est bon, tu peux atterrir. Bah, parachute. Ok, bah, lève-moi. Je monte, ouais, je monte. Parce que là, avec les arbres, je pourrais pas monter. Ici, tu peux. Ok. Tout de suite. À de suite. J'essaie de trouver une place pour m'atterrir. C'est trop cool parce que là dans cette vidéo on a enfin de l'hélico, du parachutisme. Je suis traqué qui me dit ça, donc fais gaffe. Pareil. Ah mais il y a encore un gars. Tu l'as? Ouais mais attends, j'ai atterri juste derrière lui, il m'a pas vu ce con. C'est vrai que... Oh merde. Tu peux le... Ah ouais, encore là, je vais le voir. Il a pas... C'est bon. Est-ce que tu vois une zone dégagée où je pourrais atterrir? Ouais, en plein sur cette route. Je suis gros, hein. Ah, c'est ça le problème. Non, je vois pas, mais pour l'instant, je l'interroge. Ah, vas-y. Dios mio, ne me tuez pas! Por favor, j'ai une famille! Le code d'accès au laboratoire de cocaïne, c'est quoi? J'ai deux bon, enfants, tout juste. Deux garçons. D'accord, nickel. Faut pas des idées spéciales. Je les ai en photo. Vous voulez les voir? Non, mais il me parle de ses enfants. Donne-moi le code d'accès et ça s'arrête là. Mais ok, c'est ça. Vous avez un truc contre les enfants ou quoi? Bon, tu me dis le code. Tu veux les revoir? Gustavo et Philippe, alors file-moi ce putain de numéro. Oh, ouais, 6-5-4-3-7-5, c'est tout, je jure. 6-5-4-3-7-5. Comment ils leur font confiance? Je t'envoie un virus à télécharger dans le logiciel de gestion de chaîne. J'ai pas envie de mourir. Ok. Je crois pas le... Non, pas tout de suite. Là, je peux changer, donc... T'y vas? Ouais, vas-y, tu peux y aller. On en a fini ici. Non, faut juste qu'il appelle pas ses... Moi, je le laisserai pas en vie. Enfin, il peut appeler des... Bon, allez, c'est ouais, parce qu'il y a Philippot. Voilà. Donc, 2,8 km cette fois, on remonte vers le haut. Ouais. Bah, si tu vois un endroit où tu veux que j'atterrisse, tu me le dis. D'accord, bah, dans le champ, juste à côté. Tu peux me le marquer? Ouais, je vais essayer. Plus à gauche, mais... Ouais, non, je peux pas te le marquer, là. Je vois la pluie qui chasse, là. Oh. Ouais, c'est pas mal, hein. Oh, t'as vu la zone, comment elle est toute rouge?
On va s'éclater. T'es sûr que tu veux j'atterrisse ici, qu'on n'aille pas plus loin? Parce qu'il y a un sniper devant nous. Recule un peu. Recule un peu alors dans ces cas-là. Genre là, ce sera bon. Parce que en atterrissant, j'ai vu. C'est bon. Atterri. Au pire, on aurait pu y aller tout zigouiller à l'hélicoptère. Ah hein bah. Ouais, bon. Bah. Et question. Ouais, j'ai une réponse. Minutes. Ah d'accord, le drone je suis déjà à la limite. Ok. Mais regarde parce que dans ce genre de tour, il y en a souvent deux. C'est pour ça que j'essaie de regarder l'intérieur de la tour. Oh le champ mais... de blé juste magnifique. Ouais. Bon je rappelle mon drone, je vais augmenter mes compétences. Bah ici là où je suis tu pourrais l'avoir facilement. Terminé pour lui. Gicleur de cerveau que j'ai reçu comme Ah on a vu, t'as fait des tirs dans la tête. À 160 mètres quoi. C'est pas... C'est vrai que le blé est bien fait. Avec le vent et tout, là... J'en vois un autre. J'aperçois un petit groupe de cibles. Donc là-bas pour toi... À 248 mètres. Ouf, ouais, ça se fait être chaud parce qu'il y a Gatling juste devant. Est-ce que tu peux m'aider à me faire les deux, là? Ouais, vas-y. Les deux, là. Ouais. Je fais le 1. Vas-y, vas-y, dis-moi maintenant. Quand. Non. C'est bon, désolé. Pas grave. Je veux pas trouver d'excuses, hein, c'est juste que quand il marche, j'y arrive pas. C'est tout. T'inquiète pas, bah j'étais là, mais au moins c'est pareil, il a raté une balle quoi. Ouais, mais le temps qu'il réagisse, ça va. Je monte dans la tour ici. Hein. Mac, j'avance. Bon. Je prends la Gatling. Je monte à l'étage de cette maison. J'aurai une meilleure visibilité sur les ennemis qui sont juste là en point orange. Là, ils arrivent à avoir le câble ici. Vas-y. Oui. C'est passé juste au-dessus du canon de la Gatling. Ok, j'en ai un ici, en bas, juste en bas de moi. Je ne le vois pas. Attends, je vais te le cibler. Je le cible avec mon drone. Voilà. Je peux pas l'avoir. Là, je peux l'avoir. Ici. Merde. Là, ils ont l'agro sur moi. Ils ont l'agro sur moi. Là, t'es en alerte. Reste à l'abri. Ils t'ont pas je vu. Reste. Ah non, pour l'instant, ça va. Sors de ta cachette. Par contre, il y a l'alarme là-bas qui vient de s'activer. Ça veut dire qu'ils vont appeler des renforts. Mets-toi un endroit où tu peux être à couvert et à l'abri. Je suis à couvert. Un hélico. Ah ouais, ça va être chaud. T'es pas sur le toit. Je rentre. Dépêche, il arrive. Ça y est, ouais. Je suis rentré. Bah avec la Gatling, tu peux essayer de le péter l'hélico au pire. Bonjour à la discrétion. Bah de toute façon, maintenant on est plus discret. À moins que tu te planques. Il a failli me détecter à travers la fenêtre quoi. Je suis bien repéré là maintenant. Oh, ils m'ont lancé des grenades et tout. Qu'est-ce qui vient d'exploser là? Je suis à terre, une grenade. Ils m'ont lancé une grosse grenade sur la tronche. Je suis à terre. Oh merde. Attends que ça se calme. Attends. Pourquoi il continue de tirer lui? Ah bah ouais. C'est vrai que sur la map il y a la rail. J'espère qu'on va avoir une attaque de train. Putain les rebelles ils sont cons hein, ils viennent de foncer dans le train. Oh les rebelles ils se sont tués tout seuls, c'est con. Oui ils sont en panique là, ils sont en train d'attaquer je sais pas quoi. Oh les cons, des vrais boulets. Un peu comme moi. Moi je me mets en chemin pour toi. Fais gaffe, il y en a dans ma tour, il y a juste à côté de mon cadavre. Il y en a au bas de la tour, je pense. C'est calme au moins, en noir et blanc, c'est cool. J'ai demandé une diversion aux rebelles. Ouais. Je t'attends dans la tour, hein. Comme ça, au moins. Ils ont tué le gars de ta tour? Ah ouais. Ouais. Ils ont même tué le deuxième. Ah, ça c'est la classe. La diversion, elle commence et tout. Bonjour. Hey bonjour. Salut, je sac suis de le ça. Boulet. Bonjour, boulet. Ah,
Bon, à mon avis, j'ai locké ma Xème personne. Ah. Moi, c'est le succès au pistolet que j'ai eu. On visait le même gars, je crois. Ah, d'accord. Bah, mais je sais pas, je. T'as vu ma balle passer après ? Quand t'as tiré, j'ai tiré en même temps. Si, j'ai vu le truc, mais j'ai pas tout compris en fait. Mais en fait, vu que je l'avais pointé au drone, je me suis dit, je vais aller le buter puisque c'est un sniper. Et puis je l'ai vu. J'ai vu tes balles, je me suis dit, en fait, il est sur le même que moi, effectivement. Excellent. Par contre, c'est une vraie forteresse, hein. Ouais, je suis en train de marquer les signes. Je vais passer par la gauche, là. Et je vois l'autre à la Gatling. Attends, il y en a plein encore, hein. J'ai pas tout noté. D'accord, je vois la porte avec le panneau. Tu peux le tuer, celui-là, à la Gatling, ou pas? C'est qui est devant toi? Ouais, il est au téléphone. Oui, vas-y. Ok, je place mon C4. Ok, je suis monte au dernier où il y a Gatling. Ok, mais je l'active pas tout de suite, hein. Tu crois que je peux tirer à travers la... Non. À travers. On s'est fait tirer. Qui est traqué? Ça, c'est vraiment mal fait. Tu vois les trucs qui pendent là, le vert là, pour le camouflage. Ouais. J'ai tiré dessus, ça passe pas. Oh merde. Tu vois les feuillages là? Ouais, je vois. Alors qu'il n'y a pas de truc métallique ou quoi. Donc, Ce n'est pas comme dans la bêta, c'est bien dommage. Ouais, ça va, ah, on est détraqué. Ah, c'est toi que j'ai entendu. J'ai entendu des chaussures, je fais. What? On les entend fort, hein? C'est abusé. Ok. Reste un ennemi de la maison en bas à droite là. J'arrive pas à voir. Charge posée et amorcée. Merde. Quoi? Mais j'ai mis un C4 ici. Où? Pour pas que je me mette dessus, sur, quoi. Sur le toit. En fait, je voulais activer l'autre et ça... Tu l'as mis où? Derrière toi, viens vers moi, on va pouvoir, je vais pouvoir faire sauter. Vas-y. Ah ouais, effectivement. Bon. En gros, tu voulais me tuer, quoi. Non, parce qu'en fait, il faut laisser appuyer pour l'activer, j'avais oublié ce détail. T'es prêt? Oui. J'active. Okay, c'est quoi la mission? On commence par la salle de contrôle. Bien compris. Bah, on doit s'infiltrer, puis pouf. Je regarde la gauche, ok. Je monte. Je m'étonne qu'il n'y a pas un chien ici. Bah, okay, est-ce que ce qu'on a tué, il doit pleuvoir vraiment, quoi. Ils ont levé l'alerte, ils doivent penser qu'on a foutu le camp. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va devoir sécuriser la zone. Mm-hmm. Ah, on est traqué. Je te laisse pirater le truc. On doit pirater un truc? Ouais, à l'étage. Ok, j'arrive. Par ici. C'est bon, on est tranquille. Il y a plein de vêtements. Il y a plein de vêtements. Allez, on pirate. Nettoyer. Les contrôles sont HS. C'est pas parce que je vois ce que tu fais. On va où maintenant? On fouille les entrepôts. On doit détruire les stocks. J'ouvre. Vas-y. La porte est ouverte. Détruire la salle de contrôle a fait sauter les verrous. En position pour quadriller le bâtiment. Destruction systématique des stocks de coke. Bien compris. Ouais, tu l'as vu. Je vois le stock. On le détruit. Merci. Faut mettre un C4 sur chaque truc. J'en ai que deux aussi. De... On est dans la merde. Bah, il y en a que deux à mettre. Un autre. Ah ouais? Charge posée et amorcée. Là et au-dessus. Mais à mon avis, avec au-dessus, ça va péter. Attends. Ouais, par précaution. Ah, ouais. On est vu? Hein? Et où? Mais il vient d'où, là, lui? Je sais pas, il a. Il était là, donc, ouais. Je crois qu'il est arrivé par le. Travers le mur, hein, lui. Je sais pas. Oh, on saura par contre pour faire péter tout ça. Mais crois-moi, parce qu'avec 3 kilos de C4. C4. Stock détruit. On avance. Ça va encore? Voilà. Suivant, ouais, voilà. On aurait pensé que la baraque explose. Par contre, l'autre, je suis étonné de voir où il est arrivé en fait. Je crois qu'il a spawn, d'accord. Attention, j'ouvre. Verrou court-circuité, on y va. Attends, je mets ma vision thermique. Je rentre. Vas-y. J'ai repéré un stock de cocaïne. Y'a rien. Putain, ça fait bleu hein, quand même. Bah, je te laisse mettre les trucs. La charge est amorcée. Je pense que A c'est suffisant, non? Je préfère en mettre 3, on sait jamais. De toute façon, je peux reprendre des réserves. Des réserves, donc c'est fait exprès. Mais je vais augmenter le C4. Stock détruit. On continue. Voilà. On a foutu en l'air une chier de poudre.
Bon, alors on va s'exfiltrer. L'émissario a vraiment les couilles dans un étau. Il va falloir qu'il sorte pour attraper le coup et on va pas le rater. Et ben voilà mes amis, c'est ici que s'achève donc cette longue mission qui sera en plusieurs parties à mon avis. Donc on vous dit à la prochaine pour la suite. Bye bye. Bisous.